Actualité 7, Journal Créole, Chanel Juno 7 là. Monsieur Damien, go, bonjour, go, bonsoir, bonjour tout, bienvenue dans Journal Créole, Chanel Juno 7 là. Go mouvement tension à Yamadi 28 novembre, dans Wanamet, côté gagné plusieurs monde qui étaient venus pour ouvrir frontière après avoir fait une pause à Christina. Autorité dans Wanamet a décidé de fermer frontière. Dans tête collée avec bureau au commissariat, dans ce qui n'a causé de monde, bureau intégré Nations Unies en Haïti, BIMI présenté. Il y a un rapport sur la situation de monde dans le département de Tibonite, côté fait qu'on est entre janvier 2022 à octobre 2023, gagné 350 monde qui mourit 226 blessés et puis 1118 les autres kidnappés à cause de gagnants qui a fait railler dans le département. Plusieurs centaines de citoyens, femmes et garçons dans la commune Kouadebouk organisé matin, mardi 28 novembre 2023, une marche pacifique dans l'idée pour demander des bandits au dépôt des armes et puis suspendre terroriser la population. On a un autre qui peut être signé protecteur citoyen René Redouville, Office de protection citoyenne, OPC, dit la prendre à Campil, préoccupation nouvelle qui a annoncé activité sans cap analyser et puis faire recherche sous doigt mon cadre campé pendant un petit temps à cause de menaces yo à recevoir. La police a annoncé dans un autre policier dans bon repos arrêté jeudi 23 novembre 2023, deuxième chef gang qui a opéré dans Molière 9 là, qui est Bruno François, il gagne 20 années sous tête li dans pays l'autre bord de l'eau, Canada, après différents qui étaient fini éclaté en été à un bien popier vle pour que autorité engagé au plus. Bienvenue dans le développement information. Yo gros mouvement tension à Yamadi 28 novembre en Wanamet. Puis précisément sous frontière, d'après la presse locale, gagne plusieurs monde qui sortent dans diverses zones, zamnamen et puis yo décidé relouer frontière avec force. Eh bien, après action ça, gagne un autre groupe citoyen qui ont même pas d'accord pour frontière l'ouvrir, yo décidé entrer et puis fermer frontière. Après incident ça, autorité yo dans Wanamet décidé pour yo même yo fermer frontière et yo mette pinga avec quelque soit monde qui t'a gain intention vinn poser action ça vinn avec question zame et puis relouvrir frontière là. Dans tête collée avec bureau commissariat Nations Unies qui n'a causé de monde bureau intégré Nations Unies en Haïti binu présenté à Yamadia un rapport sur situation droit monde dans département la Tibonite là. Arnaud Royer, directeur division droit monde dans binu, fait qu'on est en janvier 2022 à octobre 2023 il y a 50 monde qui mourit, 226 blessés puis 1118 les autres kidnappés à cause groupe gang yo café raillé dans département. Dans déclaration la majorité victimes c'est garçons à 70%, femmes yo à 29% et petits monde à 1%. En côté déclaration, Arnaud Royer. Entre janvier 2022 et octobre 2023, c'est la période qu'on a couverte au cours de cette enquête, plus de 1690 personnes ont été tuées, blessées ou enlevées. Notamment, ces violations se sont accélérées à partir de la mi-juillet 2022. L'essentiel des victimes sur ces 1690 ont été enlevés. Plus de 1100 victimes ont été enlevées. La grande majorité des victimes sont, soit pour 70% des hommes, 29% des femmes et le reste des enfants. Ce rapport a permis d'établir plusieurs types de graves violations qui sont commises par les groupes criminels dans la zone. Dans un premier temps, les meurtres. On a noté qu'il y a différents types de meurtres dans le bar Tibonite. Lors des attaques des villages ou des villes, on a compté plus de 110 attaques contre des villages et des villes dans le bar Tibonite au cours de cette période. Plusieurs centaines de citoyens, femmes et garçons en pleine dans la commune Kouadebouk organisé à Yamadi 28 novembre 2023 une marche pacifique dans l'idée pour demander bandits au dépôt des armes et puis suspendre terroriser la population. Quelques participants à l'événement si là dénoncé comportement la police yo, dit qu'ils étaient tentés bloquer au soupakou yo. Quelques élèves dans quartier Fouji qui ont participé dans la marche pacifique si là mandé individu examio faire la paix une façon pour l'école yo reprendre service. En côté quelques participants dans la marche si là ouais ça fait là mon sens a touché yo qui va qui va se poser fait encore la même je pas là dans la fête ça va les ça fait pas là il fait en kill zone active zone marin merci bien d'amo on va faire comme moi on va faire ça ne peut pas se marcher oui solution solution
jamais marché dans cette zone là. Dans sa zone, c'est qui monte là. Bon, nous là, vous lisons, nous retournons. À travers une note qui porte signature protecteur citoyen Renan Edouville, l'Office protection citoyen dit lui apprendre avec un pile préoccupation. Nouvelle qui annonçait suspension provisoire toute activité sans temps cap analyse et faire recherche dans Douamoun, cadre pour cause danger que yo gagné sous tête au PC profiter. Une circonstance là pour l'exprimer solidarité avec directeur exécutif cadre là, maître Gédéon Jean, avec équipe li qui connaît bah, rapport sur violation Douamoun dans pays. Au PC profiter également pour souligner que défenseur Douamoun qui exerce activité à haut risque joue un rôle incontournable dans la construction de l'état de droit, la paix sociale et puis démocratie. Face à cette situation, ça a PC invité autorités concernées adopter mesures spéciales capables d'assurer protection cadre avec tout défenseur Douamoun qui est exposé chaque jour à menaces, à kidnapping, à actes intimidation dans l'exercice activité et puis lancer un appel à solidarité de communauté internationale là, gagner ensemble contre la corruption. Bon côté parle dans un communiqué qui portait signature secrétaire exécutif li Edouard Laporte-Poltre, li dit li déplorer que gagne un organisme de défense Douamoun qui obligé prendre décision extrême pour capable expliquer ça qui expliquait défaillance système sécurité et PIA. Eh bien ECC profiter pour l'exprimer solidarité avec Yuna Mablio qui s'est cadre et puis lui demander pour capable reprendre courage avec force et puis organiser pour capable poursuivre activité recherche analyse et puis encadrement compatriotes qui n'ont besoin. Bruno François qui gagne 20 l'année sous tête li deuxième chef gang cap opéré dans Moléa 9 Beau Repos, li rivé tombé en bas code de la police Beau Repos jeudi 23 novembre 2023, c'est ça PNH l'a annoncé dans une note. Dans notre si là institution policière a souligné que chef gang ça a été activement recherché pour association malfaiteur, vol et puis trouble à l'ordre public. Note la précisé que Bruno François avec acolyte li Kadia et puis Maken ainsi connu yo impliqué dans plusieurs Zaka Banditis qui fait dans plusieurs zones, tako Moléa 20 avec Tibob, localité qui est située dans Beau Repos, commune Croix des Bouquets. Après arrestation, la police informé que nommé Bruno François li placé dans garde à vue pour le capable d'attendre suite judiciaire. La police Beau Repos pour dit que la poursuivre opération lio dans l'idée pour démanteler gang nan, et puis permettre à ce que gagnon climat de paix qui fait dans pays, plus précisément dans en commune Croix des Bouquets. Comité national lutte contre mauvais traitement ya bay moun CNTPL nan ministère affaires sociales ak travail lancé des journées d'information pour cadre naona au Fatma ak lot acte clé dans secteur nan souci pour kwape phénomène travail forcé ak reste avec nan pays ya hier yeah, mardi 28 novembre lan, André Ibeus président comité national k ap lite contre pratique sa yo fait connaître travail forcé a c'est les exiger au monde faire travail et puis nil s'il pas arrivé réaliser et la loi condamné ça en Haïti en côté déclaration André Ibeus. Il est important pour nous parler de ça et dans le cadre de lutte là, il y a des acteurs clés qui doivent prendre de très bonnes formations pour aider à éradiquer le phénomène là. Et voilà pourquoi jodi dans l'hôtel Montana on a réalisé formation ça pour des acteurs tant qu'inspecteurs de travail des employés de l'ONA et de l'OFATMA, représentants employeurs, représentants travailleurs, représentants bureau médiatrice spéciale travail, qui c'est des acteurs clés qui capables d'aider premièrement combattre phénomène et voler au secours à population qui vulnérable à phénomène ça. Actualité en un pays l'autre bord de l'eau, Canada après gros difficulté éclaté en été à pompiers ou voulait pour que autorité ou engagé au plus. Yon superficie plus grand que taille la Grèce te ravagé été 2023 dans Canada là-bas lutte contre incendie yo partagé entre gouvernement fédéral, province et puis municipalité yo dans ouest canadien ville ouest Kelowna en partie li brûlé en août là sous place habitants salué action pompiers avec autorité
Wina, West Kelowna, l'Ouest Canada, pompiers, villa, yo, au palais, tankou, ewo, yo, lutté 3 semaines, non-stop, contre flamme, yo, nan, mois d'août, là, habitants, ou même, livré, manger, à kazen, yo, et puis, yo, applaudi, yo, reconnaître également, rôle, autorité fédérale, yo, voye, force, l'armée canadienne, yo, et puis, moyen technique, bien rapide, pour appuyer, et force souterrain, pompier, Alberta, nan, Québec et toute l'autre province même qui vini soutenir collègues sous place, mais li demeure tout même une forme de résignation parce que Canada a boulé chaque année habitants yo a pas parce que pas demandé si jardin yo a pas produit en sane, mais en tout cas yo espéré que autorité yo un jour a privé mettez en fin avec situation si là.